Bon, alors voilà le problème des clignotants. Là, moteur tournant, neutral allumé. Je le mets, il reste allumé fixe. Il baisse d'intensité. Je change de côté. Hop, il baisse d'intensité. Et de temps en temps, il se remet à clignoter tout seul. Voilà. Il est monté à 5500 tours. D'un coup, il est monté. Le fait de monter à 5500, ça l'a déclenché. Et là, il clignote normal. Avec une petite baisse d'intensité du neutral. Voilà, il a fallu monter à 5500 tours. Voilà, là c'est bon. Ok. On coupe, on redémarre. Il faut tenir la poignée d'embrayage. Et on recommence. Et voilà. Il reste allumé et baisse d'intensité. Dès qu'on démarre, voilà. Et là, il s'est déclenché tout seul d'un coup. Sans monter. Et des fois, il met très longtemps à se déclencher. Voilà. Est-ce que ça viendrait d'une faiblesse de la batterie? Ou autre? On ne sait pas. Voilà, si vous avez une idée, faiblesse de la batterie, ou quoi, parce que là, même la centrale, si un fusible, s'il avait pété, ça marcherait pas. Ici, le condo, dans le boîtier, bah, non. Il n'y a pas d'humidité, tout est sec. Alors, je vois que la batterie. À moins que la centrale clignotante ait une fonction qui fasse qu'elle est faible. Ou c'est la batterie qui est morte. Il n'y a pas assez de puissance pour tout. Et on voit le neutral qui scintille quand le clignot fonctionne. Voilà, bizarre. Si vous avez des idées, merci. Salut V.